Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau GBA Tour sur 007 Nightfire, sorti en 2002, bah, justement sur la Game Boy Advance, sur la PS2, sur la GameCube et sur PC Windows, il me semble. Alors, j'aimerais bien savoir où est le français. On va cliquer sur ça, au pire. Alors, justement, j'étais en live sur la chaîne des Bogus Gamers. Et c'est eux. Non, c'est pas eux, c'est un de leurs abonnés qui m'a proposé de tester ce jeu, puisqu'apparemment, je serai le premier français à le faire. Niveau de difficulté: beu normal, beu difficile. Traduction peu ouf, peut-être pour ça que personne l'a fait en français. Enfin, en tout cas, je pense, les gars. Hein. Enfin, regardez les lettres là, les mecs. Arrêtez quoi, merde. Allez, hop. M. P. En tout cas, la petite musique pour l'attente du menu est très sympa. D'ailleurs, les gars, allez voir la chaîne des Bogus Gamers. C'est une petite chaîne très conviviale. Alors, je sais leur nom. Faire un petit peu beauf, mais c'est très convivial. Allez sur leur live et dites que vous venez de la part de MP86, ils seront très contents. On va pouvoir commencer cette petite mission. Ah oui, je me rappelle, c'est Rodriguez Montaigne qui m'a dit de tester ce jeu. Bonsoir 007, un système de guidage de missiles est dessiné. Ok, a été volé. L'OTAN nous a chargé de récupérer au plus vite cet appareil tombé entre de mauvaises mains. Les capacités défensives de la plateforme seraient compromises. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, absolument, oui. Les informations prouvent que Raphaël. Y a pas moyen de passer cette merde là. Attends, B, qu'est-ce que je fais? Alors, on a donc une espèce de bouillie de 3D plutôt. Ok. Oh, ça disparaît automatiquement. Oh, la visée est vraiment peu intuitive, les gars. Le genre là, je décale. Putain, les gars, ça part dans tous les sens. Au secours. C'est très désagréable. Vraiment, tirez. Vous avez trouvé. Qui me tire dessus? Je vois de la lumière qui vient de là-bas. Il y a des mecs là. Mais je l'ai pas touché là. Gros, je le touche là. Bon. Le jeu est pas très joli, les gars. Franchement, j'ai la même taille d'affichage que. Pardon? Oh non, je suis mort. Ouais, mais en même temps, des FPS sur les Game Boy, pas forcément une très très bonne idée. Hein. J'ai envie de vous dire. On va peut-être tenter de recommencer tout ça, mais une chose est sûre, je n'aime pas trop ça. Alors les gars, pas moyen d'être discret là. Regardez, là il y a un putain de camion qui arrive. Je peux pas me baisser pour essayer de viser le point noir là-bas. Désolé. On va donc attendre que le camion soit passé. Je vous propose simple question de sûreté. Si seulement je pouvais baisser ma fucking putain de caméra. Hop là, chef. Gros, t'es censé être mort, toi. Les gars, tu tires tout de suite. Gros, c'est impossible. Rodriguez, pourquoi tu m'as proposé ce jeu de merde là? Bon allez, une dernière fois, même si je pense que vous savez comment ça va se terminer. Je trouve le rendu pas ouf. Enfin bref, les gars, tout ça pour vous dire que. Attendez, hop là. Vise-le bien. Hop là, tac. Tac, tac. Toi. Toi, eh, oh, toi. Allez, vite. Avance un peu. Go.
Mais gros, pourquoi ça les touche pas là, mec? Mec, des fois je suis clairement dessus et ça les touche pas. Je crois bien que je comprends pas trop. Ils sont trop loin là, gros. Je les vois à peine. Mais je les vois à peine! Mais c'est quoi cette merde? Bon, en tout cas, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais s'il doit y avoir une conclusion à faire, si jamais vous voulez jouer à 007 Nightfire, privilégiez plutôt la version Windows, PS2 ou GameCube. Mais ne jouez pas à la version GBA. C'est pas ouf. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner. Et ma webcam n'est toujours pas réparée. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et n'arrêtez jamais d'apprendre.